L'ange numéro 60, Mitzraël. Il régit du 16 au 20 janvier. Il est l'ange de la réparation. Son énergie permet de guérir les maladies mentales et les décalages intérieurs en harmonisant notre intellect pour l'utiliser de façon juste et bienveillante. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Réparation. Compréhension de l'obéissance et de l'autorité. Rectification. Facilite l'exercice de la psychologie et de la psychiatrie. Grand talent en neurobiologie, neurotechnologie et dans le domaine de la technologie en général. Guérison des maladies mentales. Réparation par la conscientisation. Travail et harmonisation intellectuelle. Réunification des plans physiques, émotionnels, mental et spirituel. Simplicité. Nous pouvons rectifier les faiblesses humaines suivantes. Difficulté à accepter ses erreurs et à réparer, reconstruire sa vie. Tendance à abandonner, à baisser les bras. Peur du changement. Non-acceptation des karmas qu'on a générés. Refus d'évoluer. Fragilité causée par des décalages. Problème avec l'autorité, avec le père ou la personne qui tient le rôle de père, ou avec son supérieur, ou encore son chef. Insubordination, désobéissance. Vindicatif. Critiqueur. Compliqué. Manque d'aide, d'entraide et de coopération. Mentalité du chacun pour soi. Révolte, rébellion, persécution. Maladie mentale, c'est-à-dire paranoïa, folie,
schizophrénie, etc. Fatigue chronique, migraine. Médecine sans conscience. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Apprentissage des langues. Autoritarisme. Bronche. Dyslexie. Examen, études. Méningite. Mental, problèmes mentaux. Nervosité, tension nerveuse. L'excitabilité. Père. Psychologie. Rectifier. Réparation. Réparer. Schizophrénie. Sinusite. Douce pensée, angélique.